Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda local sur Ozone FM. C'est parti pour cette deuxième semaine de l'année. Ce mercredi 11 janvier, la Ligue de l'enseignement et le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport organisent un forum de l'engagement à destination des jeunes de 15 à 25 ans. C'est à Châtellerault de 14h à 17h à la salle de la Gornière. Mercredi 11 janvier, toujours de 15h à 20h30, la troupe Ribambelle de Colombiers vous propose une comédie Concession intime. C'est à la salle de l'Angelarde, c'est 10€. Renseignements et réservations au 06 81 06 68 13 ou au 06 78 52 76 69. Toujours le mercredi 11 janvier, Marie-Claude Albert, conférencière, nous propose de revenir sur la réaction de la population châtellerodaise à l'arrivée des déracinés en septembre 1939 et à son évolution sous l'occupation allemande. C'est à 18h30 à la salle du Verger et c'est gratuit. Vendredi 13 janvier à 18h30, projection de court-métrage réalisé par les élèves du collège Jean Massé de Châtellerault et leurs enseignants. La résistance et la déportation des Châtellerodais pendant la Seconde Guerre mondiale. Une très belle contribution au travail de mémoire sur la résistance et la déportation des Châtellerodais pendant la Seconde Guerre mondiale. Projection à la salle de la Gornière ce vendredi 13 janvier à 18h30. L'entrée est libre. Vendredi toujours, un peu de compétition. Le gymnase de la Marronnerie accueillera le match de volleyball féminin. Le CSAD reçoit le Stade Poitevin. Allez les encourager, c'est gratuit. Dimanche 15 janvier, les 3T proposent un atelier de théâtre parents-enfants. Et si on inversait les rôles entre les parents et les adolescents? Participez en binôme à un instant de théâtre ludique et amusant avec Michaël Fratissier, comédienne de la compagnie du Double. C'est sur inscription, modalité d'inscription sur le site 3t-châtellerault.fr. Enfin, on finira cette semaine avec un match de volley national 3 masculin. Le CSAD Châtellerault face à Tour Volleyball 3. C'est à la salle Omnisport de Châtellerault ce dimanche 15 janvier de 15h à 17h. Allez-y nombreux pour les encourager, l'entrée est libre. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou nous envoyer un petit mail à contact@ozone.fr pour nous parler de vos événements. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur ozone.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne journée à toutes et à tous sur les ondes du 99.7.